Salut les amis, comme vous pouvez le voir, cette semaine, il fait vraiment très froid. Pour changer de la semaine dernière où les conditions étaient à peu près correctes, là on est proche des zéros, je crois qu'il doit faire 1 degré à l'extérieur. Ça fait maintenant 4 heures qu'on pêche, c'est vraiment dur. Là je suis avec mon père qui se retrouve derrière moi, qui partage ma passion. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir la partager avec lui. Parfois il vient directement avec moi dans le Carolina pour faire des sessions en boat fishing comme j'ai pu vous montrer la semaine dernière en vidéo. Et là aujourd'hui il voulait venir braver le froid pour venir pêcher au leurre et au vif pour venir faire la fermeture. Et là les conditions sont vraiment très difficiles, très peu de poissons. On a croisé 4 silures tout à l'heure à l'écho. Impossible de les faire mordre. C'est pas faute d'avoir insisté en faisant des dérives permanentes sur eux, etc. Revenir, redériver, revenir, redériver. Ça n'a pas voulu taper malheureusement. Là, je vais continuer à aller prospecter pour essayer de trouver d'autres poissons. Et je voudrais aussi vous parler des HR20. Parce que vous êtes nombreux à me demander comment ça fonctionne. C'est vrai que le frein, c'est pas un moulinet conventionnel, donc je voudrais vous en parler, et de sa contenance aussi. C'est un moulinet qui peut contenir jusqu'à 455 mètres de tresse. C'est assez utile pour ceux qui pêchent notamment au cassan, pour ceux qui pêchent comme ici au flotteur, où est-ce qu'on va laisser dériver. On ne laissera jamais dériver jusqu'à 450 mètres. Mais quand on pêche au cassan, c'est vrai qu'on veut couvrir une grande bannière, notamment quand je suis en boat fishing, j'arrive à couvrir 900 mètres de terrain, mais il n'y a pas 900 mètres de poste. Voilà, suffit qu'il y ait un poste très marqué à un endroit, un deuxième poste très marqué mais avec 200 mètres d'écart, ça ne sert à rien de mettre des cannes entre les deux. Voilà, il faut pêcher là où sont les poissons, là où sont les postes, et pas pêcher n'importe où. Ça ne sert à rien de perdre du temps à pêcher si c'est une plaine de sable ou alors s'il n'y a pas de fond vraiment qui va pouvoir retenir les poissons, une cassure ou autre. Faut vraiment, si on a très peu de cannes à placer, pour ceux qui pêchent à 2 ou voire 3 cannes ou 4, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment pêcher sur les postes précis. Et ce moulinet-là permet d'avoir la contenance, permet d'avoir la capacité de freinage pour faire des ferrages vraiment importants. Éviter que les poissons fassent des rushs directement, aller tanker dans les souches. Si on veut vraiment brider le poisson, on peut le faire avec ce moulin. C'est vraiment, vraiment une bête, c'est une machine, tout en aluminium. C'est fait par des CNC vraiment dans la masse, dans un bloc. C'est vraiment des moulins très intéressants. Je vous en parle tout de suite. T'as le droit de parler, je vais le couper au montage, t'inquiète pas. Comme je vous le disais, je voulais vous parler des HR20. C'est des moulinets que j'utilise moi principalement pour la pêche à poste fixe, donc que ce soit au cassan ou au flotteur sous-marin. Et aussi ici, dans ces situations-là, quand je pêche en dérive au flotteur. C'est un moulinet qui me permet, de par son frein, de pouvoir avoir un contrôle de ligne permanent. Quand on pêche avec un moulinet spinning, dit conventionnel, traditionnel, on ouvre le pick-up, le fil sort, et pour l'arrêter, on est obligé de refermer le pick-up. Si on veut pouvoir avoir un contrôle de la ligne, on est obligé de faire ça. Si on veut desserrer le frein et laisser le sortir le fil, ça va vriller forcément votre corps de ligne, et ce n'est pas recommandé. Avec le HR20, on a plusieurs avantages. Le principal, c'est surtout son frein, qui est en trois positions. Donc, frein ouvert, donc comme sur un moulinet casting traditionnel, quand on appuie sur la gâchette, la tresse, la bannière sort, sans souci, et on peut venir régler cette tension. On va avoir le frein en position du milieu, qui lui va venir serrer la bobine, mais qui va laisser la tresse s'échapper à notre bon vouloir. Si on veut
ça sorte plus facilement. On a une molette qui se retrouve donc juste ici. Ça va être more less, donc plus moins. On va pouvoir venir la régler et comme ça la tresse sort plus ou moins facilement. Et après on va avoir le frein de combat. On va pouvoir le régler jusqu'en bas. Et là, c'est vraiment bloqué, il n'y a aucun souci. Donc quand je pêche comme ici là au flotteur, je règle mon frein pour que la tresse sorte mais vraiment tout doucement. Si je veux avoir une dérive avec un frein bloqué, mais en cas de départ que le poisson ne sente pas de tension, je peux le faire. Que je ne pourrais pas faire par exemple avec un moulinet spinning. C'est vraiment quelque chose d'embêtant. Et quand je pêche au cassant, eh bien c'est exactement pareil. Et le gros avantage de ce moulinet, c'est que quand je vais aller tendre mon montage, je vais pouvoir me mettre en position du milieu, régler ma molette donc sur le côté assez dur, donc côté mort. Et là, la tresse va se dérouler que lorsque je vais mettre en route le moteur, électrique ou thermique pour rejoindre mon poste. Donc je vais pouvoir tenir ma canne à une seule main. Ma tresse va se retrouver serrée par le moulinet et sans avoir de vrillage. Et ça, c'est vraiment un avantage exceptionnel. Je ne suis pas obligé de tenir la tresse donc dans ma main. Le fait de la tenir dans la main, bah, ça l'use. Mine de rien, c'est toujours un frottement de plus. En plus, la tresse, elle est souvent sèche quand on tend les montages. On oublie de la mouiller. Donc c'est quand même préférable d'avoir un moulinet comme ça, avec une contenance qui est exceptionnelle par rapport au moulinet conventionnel, donc spinning. Où est-ce qu'on va mettre 270 mètres ou 360 mètres? Là, on a 455 mètres de tresse. Moi, je sais que sur ces moulins-là, je mets 400 mètres de corde de ligne, 50 mètres de tête de ligne, et ça le fait parfaitement. Donc, la tresse que j'utilise, c'est la 55 centième, et la tête de ligne que j'utilise, elle, est en 1 mm. Et ça ne bouge pas du tout, j'ai aucun souci. Le seul souci qu'on pourrait avoir, c'est lorsqu'on est accroché. Quand on est accroché dans le fond sur une souche ou quelque chose comme ça en ramenant le montage, on va se retrouver directement sur la tête de ligne, donc en 1 mm. Et pour casser au nœud, c'est chose impossible. Ça m'est arrivé il y a quelque temps. J'ai galéré pendant un quart d'heure avant de pouvoir me décrocher correctement. Les hameçons ne sont pas ouverts. Ça m'aurait bien arrangé ce coup-ci. Mais non, ça s'ouvre pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce moulin. C'est vraiment un produit que j'affectionne. Il a une grande poignée. Il a une récupération d'un mètre autour de manivelle. C'est vraiment un super produit. Et on retrouve, de l'autre côté, on retrouve le cliquetis, comme sur le moulinet, le VR5 donc, qu'on a utilisé en vertical. Voilà, si on veut par exemple se faire à manger ou descendre du bateau pour aller voir des amis ou autre, et on veut avoir un signal sonore en cas de départ, c'est possible. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais retourner en action de pêche, je vais essayer de faire encore quelques dérives, et puis après il va bientôt être l'heure de rentrer. Le froid est bien installé depuis un petit moment déjà, on commence vraiment pas à avoir chaud. J'ai mon père derrière la caméra qui tremble, heureusement qu'il y a le stabilisateur parce que sinon l'image ça serait pas belle. Je vous dis à tout à l'heure. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, c'est que sur le HR20, il n'y a pas de guide fil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enroulement fait par un guide de gauche à droite. Il y a plusieurs raisons aussi à cela. La première, c'est parce que mécaniquement, c'est pas fait pour tenir. C'est bien pour les petits moulinets casting, où est-ce qu'on va pêcher le brochet ou le black bass, des choses comme ça. Quand on commence à venir pêcher des gros poissons avec vraiment des freins conséquents, en général, ça aime pas. La mécanique, c'est pas fait pour subir des tractions permanentes. Là, au final, vous avez juste votre doigt qui vous sert de guide fil. Quand vous moulinez, quand vous ramenez votre vif, par exemple, sans silure au bout, effectivement, votre doigt va vous servir un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Et encore, si le fil il est vraiment en tension et que le poisson il est très loin, ça s'enroule tout seul. Quand vous faites des silures, la tension est tellement forte que automatiquement, dès que la tresse va être rangée à droite, elle va revenir à gauche. Comme sur les moulinets, vraiment un big game pour pêcher le thon et choses comme ça, il n'y a pas de guide fil, ça sert à rien du tout, n'ayez pas peur. Moi, c'était mon premier préjugé, ou du moins a priori, sur ce moulinet. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de guide fil, je me suis dit « Oh, ça va être l'enfer !» Et en fait, non, pas du tout, ça se fait super bien. N'ayez pas peur là-dessus. La tresse s'enroule parfaitement, il n'y a aucun problème. Bon, allez. Dernière dérive.
Donc là, au final, vous voyez, j'ai mon pick-up, on va dire, le frein est totalement débrayé, donc pick-up ouvert. Et je me retrouve à laisser partir au gré du courant mon flotteur. Si je veux l'arrêter, je me mets en position du milieu et c'est moi qui vais sortir la tresse manuellement. Et comme je vous dis tout à l'heure, frein de combat. Et là, s'il y a un silure, je ferre et voilà, il n'y a aucun souci. Bon, pour l'instant, ils sont pas là, les enfoirés. Il fait vraiment froid et les conditions sont pas tip-top. Et quand je vois la nuée de cormorans arriver, ça me rassure pas non plus sur la quantité de poissons qui va rester dans ce bief de Loire. Ça fait vraiment peur. Ah, les mouettes, elles sont en train de chier sur la flotte, on va s'en ramasser une balanquée tout à l'heure. Bon, bah, session très compliquée, le froid est vraiment omniprésent et c'est vraiment très très difficile. Je sais pas si je vais continuer à faire des vidéos tout l'hiver, si ça continue comme ça. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je continue à pêcher cet hiver et pourquoi pas vous montrer d'autres choses, soit sur le matériel, soit sur des nœuds. Il y a tellement de nœuds à voir, comme les nœuds de raccord, les greeners, le nœud Albright, le double greener, le nœud universel. Il y a plein de choses. On peut revoir aussi l'épissure bloquée, l'épissure classique. Il y a vraiment plein de choses à parler sur les nœuds et sur le matériel aussi. Si vous souhaitez parler davantage aussi des cannes, aujourd'hui j'ai utilisé une canne, une Pro 4, donc une Pro 4 boat, c'est une canne de 2,40 m à emmanchement, en deux brins égaux. Je pourrais vous parler de ça, je peux parler de bagagerie, il y a vraiment plein de thèmes à aborder. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire de la vidéo ou alors directement sur Instagram. Hein, vous voyez mon nom qui s'est affiché, vous pouvez directement faire ça dessus. Moi je vous dis à la semaine prochaine ou pas, ça dépend. Je vous dis allez, ciao.